Bonsoir tout le monde. Ça va faire un moment que je pris une pause. Je me suis dit, je fais pas de vidéo. Mais là, c'est trop en fait, parce que j'arrive pas. J'ai pas grand-chose à vous dire, mais je vais juste vous demander un petit service à tout celui qui a le numéro de Joseph Kabila. Partagez ce message. Il faut que ce message arrive à Joseph Kabila, s'il vous plaît. Joseph Kabila, regarde-moi bien. C'est moi Zenobita. Je pense que ce visage-là, ça peut te dire quelque chose. C'est toi qui nous as fabriqué les monstres de Tchilombo. Joseph Kabila, je suis sérieuse. Je te donne 3 mois. 3 mois. Tu as 3 mois pour dégager le monstre que tu as fabriqué, toi. Les monstres de Tchilombo, là. Parce que trop, j'en peux plus. Ce mec qui continue de nous rouler dans la farine. Ce mec continue à nous diviser, à manipuler le peuple congolais. Ce mec-là, il vient encore de nous humilier au plus haut niveau du jamais vu. Moi, je n'avais pas envie de parler, hein. Mais là, ça, c'est trop. Et je suis très en colère contre toi, Joseph Kabila. Je ne te pardonnerai jamais. Voilà pourquoi mon message, le message de ce soir-là, c'est pour toi. Je n'avais pas envie de faire de vidéo, mais je suis très sérieuse. Joseph Kabila, tu as 3 mois. Si tu n'arrives pas à dégager ce mec dans 3 mois-là, je te jure, crois-moi, tu me verras dans ton sommeil. Joseph Kabila, t'es pas plus sorcier que mes ancêtres. Ta sorcellerie là n'est pas plus que la sorcellerie de mes ancêtres. T'es pas plus sorcier que Kimbangu. T'es pas plus sorcier que tous ces gens qui ont versé leur sang pour le Congo. Kabila, c'est toi qui as fabriqué le monstre de Tshilombo. Je suis très sérieux. S'il vous plaît, aidez-moi. Ce message doit arriver à Kabila. Kabila, il y a urgence que tu dégages ce monstre. Parce que dans notre pays, je vois personne. Tout le monde en perd. Hein, en fait, c'est toi qui. Ils ont peur, les hommes congolais, là. C'est toi qui as fabriqué ces monstres qui continuent à jouer avec notre grande nation, qui continuent à nous humilier. Alors, Joseph, comme c'est toi qui as fabriqué, c'est toi qui as dealé avec lui pour qu'il puisse avoir le pouvoir. Comme c'est toi qui as dealé avec lui, alors tu as 3 mois. Joseph Kabila, crois-moi, tu me verras dans ton sommeil. Crois-moi, dans 3 mois, tu vas mourir. Le dieu de mes ancêtres, il est debout. Il veille sur notre patrie. Joseph Kabila, si tu ne fais pas tomber, si tu ne dégages pas Tshilombo, dans 3 mois, crois-moi, Joseph Kabila. Crois-moi, parce que là, je n'en peux plus. Je n'avais pas envie de parler. J'avais envie de me reposer. J'avais pas envie de parler, mais là, c'est trop. Hein. C'est trop, en fait. Ces mecs me foutent la rage. Mais là, le problème, c'est toi, Joseph Kabila. C'est toi qui as fabriqué ces monstres. Il y a urgence que tu les dégages, en fait. Je te donne 3 mois. S'il vous plaît, aidez-moi à partager ces messages. Il faut que ce message arrive à Joseph Kabila. Joseph, crois-moi, parce que là, je n'en peux plus. Toi, là, tu as créé le monstre, là. Le monstre que tu nous as créé, là. Il est en train de foutre le bordel partout et dans tout le sens. Déjà, il est incompétent. Il est incapable. Tu savais très bien. Parce que tu avais besoin de quelqu'un que tu pouvais manipuler facilement. Donc, comme tu savais qu'il est nul, incompétent, tout et tout, et regarde ce que tu as fabriqué. Regarde pourquoi tu peux détester les Congos comme ça. Les Congos, t'as tout donné, Joseph Kabila. Je t'ai donné 3 mois, crois-moi. Je suis sérieuse. Tu me verras dans ton sommeil. Je te jure, crois-moi. T'es pas plus sorcier que mes ancêtres. Tu t'es pas plus sorcier que Lumumba. T'es pas plus sorcier que Kimbangu. Crois-moi, tu me verras dans ton sommeil. Tu as 3 mois, Joseph Kabila. S'il vous plaît, aidez-moi à partager massivement. Il faut que ces messages arrivent à Joseph Kabila parce qu'il a 3 mois. Je peux pas, je suis en train de souffrir là. Je risque de mourir avant ce bouffon de Tshilombo. Donc, il a 3 mois. Il faut qu'il dégage ces mecs. Et Kabila.